conversion. Cette nuit est la nuit de la conversion. Cette nuit est la nuit de la conversion, je te le dis. S'il y avait un doute qui persistait en toi, s'il y avait quelque chose en toi qui résistait à l'éternel Dieu des armées et tu te disais, Père, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rester sur la montagne? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rester sur la montagne, Père? Je viens t'adorer et puis une fois que chez moi je redescends, Père, je te dis la vérité. Ce jour, c'est le jour de ta conversion. Afin que tu demeures sur cette montagne de grâce, adore simplement l'éternel Dieu des armées. L'éternel Dieu des armées ce soir. Avant même de commencer ce temps, l'éternel m'avait montré plusieurs personnes qui ressentaient véritablement dans leur cœur la peine pour l'éternel Dieu. Si tu te sens appelé par l'éternel, élève les mains ce soir. Ce n'est pas un conseil comme la servante Amina l'a dit, c'est un temps dans sa présence, c'est un temps dans la présence de l'éternel Dieu des armées. La Bible dit qu'il siège au milieu de l'adoration, il siège au milieu de nous, je te dis la vérité. En réalité, l'éternel Dieu est là ce soir présent, car ce matin je n'avais pas de voix, et aujourd'hui je suis là pour proclamer les merveilles de l'éternel Dieu des armées. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui renverse les montagnes. Ce soir, il faut que ton âme entende, il faut que ton âme entende que l'éternel Dieu est son milieu de mots. Je n'entends pas ta réponse. Amen.
mais Dieu, en vérité, personne n'est comme toi. Wow.